parmi les livres que j'ai beaucoup aimés dans les derniers temps, il y a le journal d'Hélène Baer, qui a été publié aux éditions Talendier, avec une préface de Patrick Modiano. Hélène Baer écrivait ce journal pendant la dernière guerre. Elle était juive, elle était à Paris, elle était jeune, elle était étudiante à la Sorbonne, et ses parents ont décidé de ne pas quitter Paris, car c'était des juifs qui se sentaient complètement français et qui pensaient que jamais rien ne leur arriverait. Elle a porté l'étoile jaune par solidarité avec ses frères, les juifs. Et dans le livre, ce qui est absolument fascinant, c'est à la fois le goût du bonheur, car c'est une jeune femme heureuse, heureuse, oui, de travailler, d'écrire, d'aimer. Et progressivement, elle sent la mort qui vient, parce qu'elle ne se fait aucune illusion. Elle sait qu'elle va être arrêtée, elle en prend conscience. Elle l'est effectivement, et le journal s'interrompt brutalement, mais très brutalement, et nous savons qu'elle est morte à Auschwitz. C'est véritablement un livre bouleversant, et sur le plan de son expression à elle, parce que c'est une femme extraordinaire, une jeune fille extraordinaire, et comme témoignage sur la dernière guerre.